Dans le cadre de cette série sur les grands moments de l'histoire musicale, nous abordons aujourd'hui l'opéra et aussi le drame au XIXe siècle. Donc nous sommes sous le signe de l'amour, l'amour sublimé, le signe de la passion, des légendes médiévales aussi, dont Tristan est peut-être le plus grand représentant, le symbole manifeste. C'est bien cela, et il faut bien que je vous avoue que depuis les troubadours, j'attends cette émission comme une prolongation naturelle des histoires de l'amour courtois. En effet, c'est l'amour romantique par excellence, l'amour irréalisable, celui qui aborde et s'accomplit dans la mort, c'est ce que le romantisme aura emprunté aux légendes médiévales. Cependant, justement, l'amour romantique, flamboyant, la passion, la plus secrète aussi, sont un paradoxe du romantisme. Justement, le romantisme exprime les émotions les plus personnelles, les plus intimes, et en même temps les met en scène, les dévoile en grand spectacle au grand public. C'est le paradoxe et en même temps l'explication des contradictions du romantisme qui se réalise de façon tout à fait remarquable dans le cadre de l'opéra, dans le cadre du drame musical. Et justement, c'est le genre qui va être au centre de la vie musicale au XIXe siècle, probablement par cette force de contradiction. Mais pourquoi l'opéra prend-il la place centrale au XIXe siècle ? Je pense que la réponse n'est pas difficile à trouver. Le romantisme cherche à fuir la réalité et trouve son refuge dans l'illusion et dans le rêve. Or, le théâtre par excellence est le lieu où se réalisent les fantasmes, les désirs, l'imaginaire d'une civilisation, d'une culture. Et l'opéra, en plus de le mettre en scène, ajoute l'élément musical magique, fascinant, on pourrait dire littéralement le stupéfiant du grand public. Dans ce cas-là, on pourrait comparer l'opéra et le drame du XIXe siècle au film d'aujourd'hui. Le public, le nombre, la masse de spectateurs et d'auditeurs est proportionnellement aussi grande et l'impact qui se manifeste, qui peut être réalisé justement grâce à la scène musicale est tout à fait comparable à l'impact que pouvait avoir Love Story au cinéma dans notre époque aujourd'hui. On y intègre les aspirations de l'époque finalement. C'est tout à fait ainsi, d'autant plus que sur la scène musicale, il y a l'intégration de tous les arts, cette aspiration également profondément romantique de faire un lien entre tous les arts se retrouve parfaitement approprié à ce médium qui est la scène théâtrale. Au XIXe siècle, c'est le merveilleux, le fantastique, voire même le surnaturel qui prime. Bien oui, le refuge dans le fantastique, dans le féerique, dans le monde irréel, dans le monde des êtres surnaturels appartient bel et bien à ce besoin donc d'évasion. Dans l'opéra, nous retrouverons dans la plupart des cas les libretti et les histoires qui vont répondre à cette aspiration d'irréalité, la fuite du monde matériel pour trouver sa solution et ses réponses justement dans les légendes, dans les contes, souvent dans les contes populaires ou alors dans la mythologie qui affirme les racines profondes d'une nation. Et pour bien illustrer cette atmosphère de songe, vous nous proposez un extrait où l'on retrouve le rêve, la brume, l'eau, il s'agit d'Ondine. Thank you.
avec Ondine d'Hoffmann, on est tout à fait dans les brumes, mais c'est justement cette féerie, ces êtres surnaturels qui donnent toute la magie et tout le charme à l'opéra germanique de l'époque. Bien sûr, il faut commencer par le commencement. Nous avons laissé quelque part l'opéra au XVIIIe siècle avec Mozart. Il y a eu une transition qui s'est faite progressivement. Il ne faut pas oublier que déjà la flûte enchantée est aussi un genre féerique, le Singspiel féerique, et que depuis ce temps-là, l'Allemagne reste sensible à cet élément irréel, fantastique et rempli de symboles. Donc c'est la prolongation de Mozart. Tout à fait, dans le même esprit. Il y aura peut-être un intermède avec Fidelio de Beethoven. Cependant, très rapidement, le désir de se retrouver sur le sol des légendes germaniques va marquer l'histoire de l'opéra allemand dans le siècle romantique depuis le départ. Alors nous sommes avec Ondine en 1813 et d'ici à Wagner et ses grandes œuvres et aussi Tristan et Isolde, il y aura des étapes qui seront parcourues et c'est ce que j'aimerais bien vous proposer en quelques jalons relativement brefs mais significatifs. Alors le premier symbole, on peut dire, c'est bel et bien le retour aux légendes très anciennes, légendes populaires. Ondine était la première. Quelques années plus tard, ce sera Karl Maria von Weber qui va proposer le Freischütz dans la poursuite de la même idée et de la même inspiration. Freischütz propose une légende populaire, mais avec l'adaptation et arrangement, on peut dire, à la fois de l'histoire et des éléments symboliques pour le public romantique. Avec blanc et noir dans les caractères, avec un orchestre qui appuie superbement ces contrastes et en fait une description magnifique. Orchestre éclatant. Éclatant, descriptif, suggestif, les harmonies également en accord avec ce matériau musical assez riche. Et j'ai proposé ici aux auditeurs un extrait qui est très connu, peut-être parmi les plus connus, par la suggestivité, par cette ambiance irréelle, démoniaque, et je vous avoue terrifiante, où le langage musical se sert de l'accord de la septième de dominante diminuée, frappant, parce qu'il arrive toujours dans des moments de terreur. On pourrait bien faire une histoire de cet accord de septième de dominante diminuée pour créer une ambiance vraiment de quelque chose d'extraterrestre, d'infernal. Et je pense que même Monteverdi, si il avait pu s'en servir, il serait allé aussi loin que Karl Maria von Weber y allait ici. La scène de la gorge au loup ou celle de la fonte des balles montre ici comment peut-on créer un moment de mystère, de nuit. Effectivement, la nuit est très présente dans cet opéra. Le démoniaque est nécessairement associé à la nuit. Et comment on peut, avec l'orchestre, créer un climat et d'une suggestivité et des vibrations tout à fait extraordinaires.
Voilà la scène de la gorge au loup du Freischütz de Karl Maria von Weber, une scène tout à fait terrifiante. Bien, les trémolis des cordes, les trombones, tout y est. Nous sommes sur un site invraisemblable, démoniaque et fantastique. Et ces procédés de l'orchestre et des instruments avant utilisés par Weber sont repris avec beaucoup d'admiration d'ailleurs par Berlioz. Donc il y a une filière des recherches et des trouvailles orchestrales qui commence à cette époque et se poursuivra tout le 19e siècle. Voilà pour l'opéra germanique. Que se passe-t-il pendant ce temps-là en Italie ? Nous sommes encore sous le règne du bel canto, avec une teinte romantique. Rossini, Donizetti, Bellini font la séduction du grand public qui aime beaucoup la scène, mais c'est encore l'opéra, un numéro fragmenté par les arias, par les scènes qui ne donnent pas la possibilité vraiment d'une unité dramatique qui va être une douce obsession de tout le théâtre au 19e siècle. Et il y a un courant révolutionnaire en Italie à ce moment-là. Cela est déjà dans l'air, ça se prépare. Depuis la Révolution française, il y a cette recherche plus ou moins évidente d'autonomie politique, d'autonomie nationale. Et si les pays slaves sont peut-être les premiers qui donnent des marques évidentes de ce désir d'identité nationale, les autres pays de l'Europe sont aussi sensibles à la libération et recherchent leur autonomie, le droit d'être eux-mêmes. En Italie, c'est un cheminement progressif qui se produit entre les années 30, 40 et en particulier 1848. Donc nous avons déjà franchi une bonne époque. Mais si je cours un petit peu vite, c'est pour m'arrêter à l'œuvre qui est représentative de ces liens entre la musique et les aspirations politiques, les aspirations révolutionnaires. Jamais la musique n'était aussi proche des préoccupations collectives d'un peuple qu'elle était en Italie à ce moment-là. Et l'histoire de Verdi, qui arrive, disons, au seuil d'une très grande carrière, qui a déjà fait ses classes, nous montre comment un compositeur, comment un musicien qui est très sensible au pouls de la vie collective et des aspirations de son peuple, peut trouver à la fois ses ressources, l'appui dans la collectivité, dans sa propre nation. Et Verdi, à ce moment-là, a senti de façon très vive ce qui se passait et ce dont avaient besoin ses compatriotes, qui, à vrai dire, à cette époque, depuis peut-être 20 ans, ont carrément éliminé de leur sphère d'intérêt toute la musique instrumentale sans idée qui pourrait la motiver. L'essentiel se passe dans le mélodrame sur la scène musicale et Verdi, qui l'a senti, a intégré des aspirations patriotiques dans ses œuvres. Et je vous présente certainement ce chœur de Nabucco que nous connaissons tous, qui est porté de façon irrésistible par l'enthousiasme et par le flamboyant ton, on peut dire, d'aspiration à la liberté des Hébreux, selon le libretto, est transposé sur le sol italien par les Italiens qui cherchent donc leur liberté. Nabucco.
Voilà, le célèbre Vapensiero tiré du Nabucco de Verdi associé au Risorgimento. Et donc, on sent bien dans cet opéra et dans l'œuvre de Verdi à cette époque qu'il a besoin du public, qu'il a besoin de se sentir entouré de son peuple et que le peuple a besoin aussi de Verdi. Et c'est un élan de part et d'autre qui a associé Verdi à son peuple, en effet, et le cri de ralliement « Eviva Verdi », au fait, est un cri politique au nom du roi de l'Italie. Donc, la révolution, les aspirations à la libération et la musique font vraiment une association très étroite en Italie de ce temps-là. Verdi répond peut-être inconsciemment à l'idéal de l'opéra italien. Tout à fait. Cependant, ce n'est qu'un moment et la relation entre Verdi et son public n'aura pas besoin constamment de cet appui politique. Dans sa maturité, quelques années plus tard, Verdi abordera les domaines probablement plus délicats, plus subtils de la psychologie des caractères dramatiques et il les abordera dans sa célèbre trilogie qui se situe autour des années 1850, c'est-à-dire la Traviata, Il Trovatore et Rigoletto. J'aimerais bien m'attarder un tout petit peu sur Rigoletto comme un exemple qui nous montrera la finesse et l'art de Verdi au moment de sa pleine maturité. Rigoletto représente un choix, disons, d'un caractère assez particulier à partir d'un livret tiré du drame de Victor Hugo, Le roi s'amuse, où le personnage principal est un fou du roi, un bossu qui a autour de lui à observer des situations très difficiles et à protéger en même temps sa fille qu'il aime beaucoup. Dans cette situation, donc, la possibilité de caractériser chacun des personnages par la musique lui est donnée et il s'en sert en utilisant l'orchestre de façon admirable. J'attire votre attention à l'ouverture qui est très brève, mais d'une densité, d'une condensation extrême, écrite presque avec un leitmotiv avant la lettre, mais Verdi n'a pas utilisé véritablement des leitmotivs, ce n'était pas son genre. C'est plutôt une caractérisation globale des émotions, des principes, et l'ouverture est en quelque sorte la cristallisation de la malédiction, le thème fondamental de Rigoletto. Cependant, au-delà de l'orchestre qui a des finesses inouï, et je pense ici à la célèbre scène avec l'air de Gilda Caro nommé dans la nuit, et l'orchestration propose ici un moment, une atmosphère mystérieuse de nuit, l'irréalité par des registres extrêmes. Et là où je voudrais surtout venir, c'est pour vous présenter le dernier acte, le quatuor du dernier acte qui, de façon peut-être inattendue et pourtant dans la continuité, se situe sur la même filière que Don Giovanni de Mozart. Il y a quelques semaines, il était question justement de Don Giovanni et de la façon dont Mozart traitait le temps théâtral, le temps dramatique par la musique. Exactement la même façon de condenser, de cristalliser et les caractères et les personnages dans un temps musicalement dense, dans cette polyphonie des personnages, dans ce quatuor du dernier acte de Rigoletto. Les quatre protagonistes, Rigoletto avec ses sentiments éperdus pour sa fille Gilda amoureuse du duc de Mantoue et le flirt entre duc de Mantoue et Maddalena, tous ensemble sur une scène sombre, présageant l'orage qui s'en vient. Donc, intensité dramatique, polyphonie, le tout structuré autour d'un noyau d'une intensité à la fois émotive et dramatique incomparable. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sai tu quali le mie pene, le mie pene.
Le quatuor du dernier acte du Rigoletto de Verdi, un summum d'intensité dramatique. On sait que plusieurs compositeurs ont voulu adapter Shakespeare, mais très peu d'entre eux ont réussi ou réussi aussi bien que Verdi. C'est évident, Shakespeare n'est pas pour tout le monde et surtout pas pour le mélodrame. Verdi lui-même a trouvé auprès de Shakespeare que c'était une pierre d'achoppement. Il a essayé dans sa jeunesse plusieurs libretti, il a réalisé un Macbeth avec plus ou moins de succès et il fallait attendre le temps de la maturité pour qu'il vraiment puisse aborder et réaliser à pied égal avec Shakespeare un drame musical de cette envergure. Et vous voulez parler de Othello. Il y avait aussi Falstaff après, mais Othello retiendra notre attention ici. À propos de Othello, Verdi a eu beaucoup de chance. Il a rencontré un librettiste d'un niveau exceptionnel qui était à la fois un poète, un musicien et qui, avec Verdi en association, a préparé un libretto remarquable. Ce qui permet de dire, quand on regarde le résultat, que finalement, Othello de Verdi est même supérieur à Othello de Shakespeare par l'allègement, par le nettoyage, par l'élimination, tout ce qui est le superflu ou le marginal dans le drame et dans l'histoire shakespearienne. Verdi a réussi à créer l'unité du drame, de l'action bien sûr, du temps et du lieu qui manquait justement chez Shakespeare, d'en créer quelque chose qui serait parfaitement monolithe, tout en tournant autour des personnages aussi contradictoires et aussi tranchés que Iago, par exemple, noirceur absolue, la transparence de Desdemona ou alors Othello déchiré par la jalousie. Ce sont vraiment des caractères monolithes et la musique les suit de très près. Othello de Verdi est justement le passage de l'opéra à numéro vers un mélodrame dans la continuité, dans la fluidité. Souvent, on a pensé que l'impact de Wagner a dû décider Verdi à franchir ce pas. Cependant, il y a beaucoup trop de différences dans le tempérament des deux musiciens pour parler d'une influence directe. J'oserais penser que Verdi en est arrivé, à travers sa maturation, à découvrir les éléments semblables à ceux de Wagner, tout en les utilisant différemment, et je pense ici à l'orchestre, au chœur, et justement un contraste à l'abandon total de l'ouverture. Son Othello commence directement par la scène de la tempête, le moment de retour d'Othello à Chypre. Impact dramatique garanti, crescendi, décrescendi, avec les gammes chromatiques. L'image, je pense, est tout à fait suggestive. Et vous voulez justement nous faire sentir toutes les nuances expressives en nous présentant deux scènes qui comportent le même texte. Ce sera pour un tout petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, donc nous allons attendre impatiemment cet événement. Mais pour l'instant, qu'allons-nous entendre, Dulca? C'est la première scène de Othello, scène de la tempête. Thank you.
Voilà l'orage du début d'Othello de Verdi. Et vous allez maintenant nous faire sentir toutes les nuances expressives de la musique de deux scènes qui comportent un texte identique. J'ai choisi en effet deux scènes qui paraissent être à une très grande distance dramatique l'une de l'autre, et pourtant elles sont basées sur le même texte pour illustrer ces procédés d'une intensité extrême que Verdi possédait à merveille. Cette intuition dramatique me paraît prodigieuse. La première scène est celle de la scène d'amour du premier acte entre Othello et Desdemona, un véritable pendant un autre volet de Tristan, mais vu et arrangé par Shakespeare et Verdi. Une scène d'amour, comme il y en a très peu dans la littérature musicale, comme je le disais, qui se situe et où l'ambiance nous donne ce flamboyant désir présent à travers la musique, où l'orchestre est d'une intensité et d'un support aux voix, et les voix mêmes sont tissées dans la sonorité même de l'orchestre. La deuxième scène, l'acte final, c'est l'extrême étape de l'opéra, c'est la mort d'Othello, qui vit à l'instant suprême cette réminiscence de la scène d'amour. Desdemona n'y est plus, et le texte et la musique sont les mêmes, et le tout est d'une puissance psychologique extraordinaire, comme si ce paroxysme de la passion se terminait dans des notes du silence. L'impact est d'autant plus grand que les moyens sonores paraissent d'une simplicité et d'une transparence absolue. Les deux scènes juxtaposées le montreront de façon explicite. Eh bien, avec Verdi, nous avons tout un volet de l'amour romantique dans l'opéra. C'est ainsi qu'en raccourci, on peut imaginer le cheminement de Verdi
partant d'un musicien tout à fait inculte, mais génial, et par une expérience de la scène et une intuition de dramaturge né, que nous arrivons à ces chefs-d'œuvre en association avec le théâtre shakespearien. Il n'y a pas, je pense, de symbiose plus réussie dans laquelle le sens du mot drame musical plutôt que l'opéra effectivement est accompli d'une façon presque parfaite. En résumé, où situez-vous l'importance de Verdi dans l'opéra ? C'est justement dans cette réalisation progressive et presque naturelle de l'union entre l'art dramatique et la musique, mais toujours en association avec un langage accessible au grand public. Verdi a été toujours appuyé par son public, suivi parfois avec quelques hésitations, mais le public avait une confiance totale en lui et Verdi n'avait pas de théorie, n'avait pas de programme, ne faisait aucune spéculation et aboutissait toujours avec une note parfaitement juste à l'œuvre qui répondait à la sensibilité, aux désirs, aux aspirations de son public, en plus d'en faire des chefs-d'œuvre. Voilà pour Verdi, voilà pour l'opéra italien aussi. Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à faire entre Verdi et Wagner ? Bien, c'est le deuxième volet de la scène musicale au XIXe siècle. Sur le plan chronologique, ils sont des contemporains exacts et Verdi et Wagner n'ont pas pu échapper à cette tendance presque naturelle d'être comparés, d'être présentés comme des ennemis naturels, alors qu'au fond, leur cheminement, leur idéal esthétique, leur exploration du domaine de la scène n'allait pas du tout dans le même sens. S'ils appartiennent à l'époque romantique, c'est qu'ils ont cherché les réponses au même problème, sauf que chacun a trouvé sa propre solution. Et s'il y a des analogies, c'est plutôt l'esprit et les besoins du temps qui les rapprochent. Alors, Wagner, effectivement, est en contrepoint, on peut dire, je n'oserais pas dire qui est le thème de qui, et le contrepoint temporel me paraît l'image la plus adéquate de ces deux grands musiciens et de leur œuvre, dans lequel chacun s'exprime à sa façon. Wagner, lui, également était quelqu'un qui a longtemps eu à chercher avant de trouver la solution au problème de la relation entre le drame et la musique. Son cheminement commence de façon voulue et consciente à Paris dans les années 30, alors qu'il découvre l'opéra, à la fois l'opéra italien, qu'il déteste à cause de la fragmentation et de ce genre un numéro qui est la manière d'être même de l'opéra italien à ce moment-là. Et d'autre part, il saisit la particularité de l'opéra français, le grand opéra, à grand déploiement spectaculaire, avec le désir pour retrouver l'histoire et ces moments, disons, de l'histoire assez lointaine, où finalement il y a l'occasion de faire des grandes narrations et retourner vers les sagas de l'histoire. Cela va marquer profondément Wagner, qui se souviendra en même temps de ses racines germaniques, et Freischütz et Weber seront également présents dans son esprit au moment où il cherchera la solution pas tout à fait évidente au nouveau drame musical. Cette expression drame musical lui est propre, même si nous allons le retrouver à plusieurs reprises dans l'histoire, parce que justement son rêve, et je dirais maintenant une utopie impossible à réaliser, était l'œuvre d'art totale, ou comme on l'exprime en allemand, Gesamtkunstwerk. Il a souhaité, parce que c'était dans l'esprit du temps, il a cherché à le réaliser justement à travers ce qu'il a pu voir déjà sur la scène de par ses prédécesseurs, ses contemporains, sauf que la cristallisation de l'idée a pris plusieurs années à travers la théorie, à travers l'expérimentation pratique, et on peut dire que plusieurs tentatives ont été à la limite de la tradition italo-franco-germanique plutôt qu'une création véritable de Wagner. Ce qui est intéressant, c'est que son idée principale était trouver la continuité à tout prix, éliminer la fragmentation,
et établir une association étroite entre la part visuelle de la scène, les décors, les événements et surtout le discours poétique, le discours dramatique, le verbe et la matière musicale. Il a réalisé, grâce à l'orchestre et l'imbrication des voix à l'orchestre, un autre élément dont il sera question dans quelques instants et que je mentionne ici, c'est le principe du leitmotiv. Qui est le fil conducteur. En effet, avec ce fil conducteur, il réalisera avant la lettre cette réaction inconsciente que chaque auditeur, chaque spectateur a face à la répétition de la musique, une association d'idées qui se produit spontanément et qui établit la continuité des événements sur scène autant que dans la musique des caractères et des personnages. Et vous avez maintenant un extrait à nous présenter. En effet, j'aimerais bien vous faire entendre le prélude du troisième acte de Lohengrin, justement illustrant l'impact de l'orchestre et d'éléments de leitmotiv dans cette partie musicale où l'orchestre joue un rôle vraiment très important. Ce serait assez intéressant de savoir que Berlioz, un des musiciens d'avant-garde contemporain de Wagner, était littéralement scandalisé par l'audace. L'audace des dissonances simultanées non résolues par les accords de neuvième majeur qui ont l'air de déranger profondément l'oreille des contemporains. Cependant, notre réaction aujourd'hui sera-t-elle la même ? Alors, avec Lohengrin, nous assistons à la culmination de l'opéra allemand, mais aussi au début du drame musical. Quelle différence faites-vous entre les deux ? Il y a une différence considérable dans la conception et dans le principe même. Je commencerai par la boutade de Wagner lui-même, qui considérait que sa démarche comme telle ne pouvait absolument pas s'appeler l'opéra, quelles que soient d'autres circonstances ou d'autres éléments qui les différencient. Pour nous, peut-être l'élément le plus important à retenir, c'est la recherche de continuité. Élimination des numéros et du principe des numéros pour la fluidité et de l'action et de la musique et de la participation orchestrale. Cette continuité, il l'obtient par le principe du leitmotiv qui commence justement de façon voulue et consciente dans Lohengrin. L'histoire du leitmotiv ne date pas de Wagner. Les tentatives et les premières expérimentations dans ce sens commencent déjà avec Beethoven et se poursuivent à travers Freischütz de Weber, ensuite se complètent avec Berlioz, symphonie fantastique. Nous ne l'oublierons certainement pas que c'est toujours l'exploration d'unités formelles des grandes formes, des grands genres qui ont justement quelques difficultés à se trouver en état de cohérence. Et au-delà de Berlioz, bien sûr, c'est Wagner, mais ensuite la recherche du principe cyclique chez César Franck. Tout cela, nous le retrouverons sur la cassette pour nos étudiants qui pourront trouver donc en exemple musicaux tout ce cheminement à travers le 19e siècle. Cependant, pour nous, ici, je reviens à Lohengrin, c'est une scène très typique à la fois de caractérisation des personnages par les leitmotivs et de la mélodie éclatée par le texte et par l'intensité expressive. C'est la scène entre Elsa et Ortrud qui l'accuse de trahison. La mélodie
éclatement en intervalles très éloignés, très distants, soulignés par les dissonances et le support orchestral pour la scène que nous allons voir ici. Voilà un extrait du deuxième acte du Lohengrin de Richard Wagner. Comment Wagner a-t-il élaboré ses théories sur le drame musical? L'expérience d'abord et ensuite les écrits. Quelque part autour des années 1850, il a écrit plusieurs textes qui sont à la fois genre de réflexion et de pamphlets, de défense des idées. Par exemple, l'œuvre d'art de l'avenir, l'opéra et le drame. Dans ce sens, l'exploration qu'il fait sur le plan de spéculation nous montre comment a-t-il procédé pour établir un idéal qu'il voudra réaliser ultimement au bout de 30 ou 40 ans de création. C'est vraiment une vision du théâtre qui se réfère à plusieurs points de vue. À la tragédie antique, il s'est cru pendant un bon moment être le Sophocle du XIXe siècle. Il y a du vrai à l'intérieur de cette vision pour la bonne raison que Wagner fait un retour au mythe. Le mythe comme les récits antiques, archaïques, rempli de messages qui ne passent pas par le rationnel, mais qui proposent une vision du monde tout à fait intuitive, on pourrait dire inconsciente, et d'autant plus puissante. Donc le retour au mythe, et dans son cas, c'est la mythologie germanique qui lui donne le support avant toute chose, et pour sa tétralogie, qui sera le centre de gravité de sa démarche de musicien et de dramaturge, il mettra pratiquement 40 ans pour la réaliser, depuis les premières ébauches jusqu'à leur création à Bayreuth. Il lui fallait un temple sacré pour la réalisation de cette vision grandiose que sera la tétralogie. À vrai dire, l'éclatement d'un monde, la destruction d'un monde, symboliquement présenté dans l'histoire des dieux, mais d'autre part se référant d'une façon qui aujourd'hui nous paraît d'une prophétie lumineuse de ce qui allait venir en Allemagne dans les décennies à venir. Et il utilise toutes sortes de moyens comme les formules incantatoires par exemple. C'est ainsi qu'on peut appeler le leitmotiv qu'il intègre dans son tissu musical par la répétition constante. Et la répétition est un des éléments musicaux importants de son langage. Il y a l'impression qu'on est immergé dans quelque chose, dans un univers sonore comme un océan, où la répétition constante, comme celle des rites magiques des peuples primitifs, berce la conscience et d'une façon tout à fait suggestive, influence l'état d'esprit de ceux qui écoutent et qui suivent la saga, parce que c'est ainsi qu'on peut le voir. Donc, le leitmotiv et ces formules incantatoires, c'est ainsi qu'on pourrait les appeler par leur impact sur la conscience, aboutiront à des choses qui seront appelées parfois la drogue véritable de la musique de Wagner. Et vous voulez nous amener dans ce temple qu'est Bayreuth? En effet, vous proposez des extraits de la tétralogie telle qu'elle se présente aujourd'hui dans les années toutes récentes.
Avec Wagner, le théâtre devient en quelque sorte un lieu de libération et aussi on sent que le drame a un pouvoir, mais un pouvoir profond sur l'inconscient de l'auditeur. C'est tout à fait vrai, d'autant plus que ce saga germanique, si profondément ancré soit-il dans la culture allemande, dépasse carrément le cadre purement culturel de l'Allemagne et touche l'universel en nous. Dans ce sens-là, c'est vraiment une œuvre universelle et profondément humaine. La chute, la destruction de Valhalla est la chute et la destruction de tout un monde qui devenait nécessaire et qui était prophétisé. Alors, immense poème symphonique, qu'est ce Tristan, par exemple? Voilà, moment d'arrêt à l'égard de Tristan. Pour voir de plus près, qu'est-ce que Wagner voulait réaliser par ce chant d'amour et l'hymne à la nuit? Immense hymne, donc, à ce symbole qui est à la fois le lieu privilégier des rencontres amoureuses est le seul lieu où on peut également vivre pleinement. C'est ainsi que le romantisme percevait la nuit. La vision n'est pas uniquement wagnérienne. Depuis Novalis, depuis Tieck et surtout des philosophes comme Schopenhauer et Schlegel, nous trouvons la présence de la nuit comme un symbole des forces irrationnelles, de ces forces où la véritable vie peut avoir lieu. La réalité matérielle ne convient plus. Et il faut s'en sortir, il faut fuir, il faut s'y retrouver. L'immersion donc dans la nuit est à la fois une immersion dans l'irrationnel, dans la passion, et pour nous l'immersion dans la musique. Alors on est à la fois fasciné par la légende et par la nuit aussi. Fasciné par la légende médiévale, cet amour irréalisable, impossible dans le cadre d'une société humaine, devient ici une sublimation. Sublimation parce qu'il n'y a pas de réalisation véritable de l'amour que dans la mort. Sublimation, c'est l'amour mystique. C'est presque une liturgie à l'amour dans laquelle nous voyons le cheminement de la passion de deux amants atteindre des hauteurs tellement vertigineuses qu'avec eux, nous nous retrouvons plongés dans un univers presque hallucinant de l'amour sacré. Et musicalement parlant, c'est l'orchestre qui porte en soi ces vagues immenses de passion et d'une sensualité, d'une tension extrême. Il n'y a pas d'autre chose que la mélodie continue, il n'y a rien d'autre que cette aspiration à l'infini et la mélodie est infinie. Alors ici, un texte qui nous le dit de façon très claire, un extrait du duo d'amour du deuxième acte. Descends sur nous, ô nuit d'extase. Donne-moi l'oubli de vivre, loin du monde. Emporte-moi. Quand s'éteint en nous la lumière, alors brillent les pures étoiles. Quelle est la signification romantique de la légende médiévale?
C'est, à vrai dire, l'évangile de l'amour occidental, tel que conçu déjà par les troubadours, par l'amour courtois, repris, transposé, métamorphosé par le romantisme et par Tristan et Isolde de Wagner. Donc cette vision de l'amour accompli dans la mort, impossible sur la terre, c'est finalement Tristan comme tel. Sur le plan de la musique, c'est une œuvre révolutionnaire. On peut dire qu'avec Tristan commence tout à fait une nouvelle étape dans l'histoire de la musique. Concrètement, techniquement parlant, on peut s'attarder longuement sur la facture orchestrale où le tissu vocal s'imbrique de façon très serrée et l'orchestration donne non pas une différenciation ou des contrastes d'un instrument à l'autre, mais une brume et une couleur, on pourrait dire, qui accompagne chaque étape de cette histoire d'amour passionné comme un océan de musique. D'autre part, l'utilisation de nombreux leitmotivs qui touchent chaque aspect des événements dramatiques, les émotions, les symboles et les personnages, bien sûr, mais même les objets qui sont significatifs par rapport à l'action. Donc, la technique des leitmotivs est poussée à l'extrême. Quant à l'harmonie et à la structure chromatique qui la sous-tend, elle est littéralement inouïe. Inouï dans tous les sens du terme, et on a justement parlé de Tristan comme le point de référence essentiel au départ de la tonalité, donc à l'éclatement de toutes les règles du jeu dans la tonalité. Mais d'une façon un peu plus précise, on peut discuter les théories wagnériennes autant qu'on veut, il s'est certainement trompé. Par contre, la musique est d'une vérité et d'une authenticité absolue. La musique gagne sur tous les plans. C'est là où le temps devient l'espace. On aime et on aime jusqu'à en mourir. Voilà, c'est ça l'histoire de Tristan et Iseult. La dernière scène, la mort d'amour d'Isolde. Dans ces mers de délices, dans ces flots d'harmonie, dans l'haleine et le souffle du monde, se perdre, s'éteindre, sans penser, pure joie.